Allô, allô. Allô, allô. Ah oui, ça y est, ça marche. Ça y est, ça marche. Salut tout le monde. Alors, est-ce qu'on entend Louisie? Alors, est-ce qu'on entend Louisie? Non, t'entends pas, je crois. Bon, pendant que Louisie Normalement, va c'est bon. régler. Ouais, est-ce qu'on entend Louisie du coup? Est-ce que c'est bon? Ouais, j'ai mon stream en plus, mon retour qui bug. Bon, on va dire que c'est bon. Parce que j'ai mon retour qui bug. Vas-y, parle un coup Non, pour toujours voir. pas, je crois. Est-ce qu'on m'entend? Bon, allez, Bonsoir. dites-nous dans le chat si on l'entend. On va vous faire confiance. En tout cas, bonsoir à tous. Salut, je vois qu'il y a NWQS qui est là. Salut à toi, comment tu vas? Nous, ça va en tout cas. Ben, salut Louisie, du coup. Bonsoir à tous. Donc, confirmez-nous que vous entendez bien Louisie aussi. Ah, c'est bon, je m'entends. Ok, C'est bon, donc c'est bon. bienvenue à tous. On se retrouve du coup avec la Ligue B. Vous avez l'habitude, le lundi soir, c'est la Ligue B. Et on se retrouve après une semaine de pause hein, pour la Saint-Valentin, tranquillement. On a fait une petite trêve et là, on va se retrouver pour le 8e GP. Donc, il reste plus que 3 GP1 pour cette fin de saison qui s'annonce palpitante hein, pour les montées et aussi pour les descentes. Hein, parce qu'il y en a qui vont monter en Liga, mais malheureusement, il y en a aussi qui vont descendre en Ligue C. En tout cas, ça va nous réserver de très belles courses jusqu'à cette fin de saison. Et aujourd'hui, bah, c'est le Royaume-Uni. En plus, en temps clair, toute la course. Donc, ça devrait, on devrait avoir de très belles batailles, Louisie. Ouais, absolument. Sur un circuit comme Silverstone, on sait que c'est la Grande-Bretagne, il y a relativement pas mal de chances de pluie. Bah là, c'est temps clair, donc on sait que ça va aller au max du début à la fin. Et puis ouais, comme tu l'as dit, hein, ça va être serré jusqu'à la fin de saison pour le titre déjà, pour la montée aussi. Les pilotes qui veulent tous monter en Liga pour continuer à progresser. Et puis aussi en bas de classement, bien sûr, pour ne pas descendre en Ligue C, pour essayer de se maintenir. Donc ouais, on a des batailles à tous les niveaux et des pilotes de niveaux similaires qui vont se batailler sur la piste, on l'espère, pour nous proposer un bon GP. Ok, du coup, pendant ce temps-là, pendant que les premiers pilotes vont sortir, on va faire un petit point sur le classement. Alors, du coup, on se retrouve en tête de classement avec Sparta, hein, Sparta qui vient de Ligue B, qui était premier de Ligue B à l'intersaison. Non, premier de Ligue C, pardon, à C'est l'intersaison. un problème d'excès. Et qui est monté en Ligue B. Et du coup, bah, il est toujours premier, il a même 50 points d'avance sur le deuxième. Donc, il a 68 points d'avance sur le quatrième même. Donc ça lui laisse une grosse marge jusqu'à la fin de saison pour pouvoir prétendre à une montée en Liga. Donc Sparta, il est suivi par BDG 54. Donc à lui, 48 points de moins. Donc le premier, il a 153 points. Et BDG... Attends, c'est BD 54. Ouais, c'est Guilou. Ouais, c'est Guilous Guilou, il a dans la 105 Ferrari. points. Le troisième, c'est Puff Puff, qui est un peu plus loin, qui a 88 points. Il est suivi de près par Guadrax qui a 85 points, mais Guadrax n'est pas là ce soir. Il sera remplacé par un réserviste. Il y a Domos qui est en cinquième position, donc qui a 83 points, qui est assez près aussi de cette troisième position. Il va y avoir une grosse bataille pour la troisième position. Il y a aussi Yayassim hein, qui est très près avec 78 points. Après, on commence à s'éloigner un peu avec Zomag à 72 points, Mika qui est 8e qui a 70 points. Ouais. 70 Suivi points, de ouais, c'est ça. Tex et Kajda à 67. Puis après, il y a une petite cassure. Il y a Morzak à 55 points avec Osavia qui le suit de près à 54 points. Osavia qui sera pas là non plus ce soir. C'est Donc ça. Tic qui suit à 53. Hassan à 52. On a Mikima qui a 47. Après, à 45 points, on a Fullgolden. 44 points, Brady. Et après, en fin de classement, on a Squeech, Flocus et Dida. Donc Ça. Dida 23, 27 pour Flocus et Squeech à 35 points. Et du coup, je vois qu'il y a un premier pilote qui a Et lancé le à tour. C'est Faito. mentionner que sur les trois derniers,
Dida qui est dernier et Squeech qui est 18ème. Ces deux pilotes ne sont pas là, ils sont absents. Ouais, donc déjà qu'ils ont pas beaucoup de points, ça va être une fin de saison encore plus compliquée avec cette absence aujourd'hui. Hein. Dida qui a été ban GP suite à une sanction suite au GP d'il y a 2 semaines. Et Squeech qui ne peut pas être là ce soir. Du coup, on suit Flyco hein, qui a lancé. Qui est le premier à lancer un tour. À lancer un tour, tout simplement. Donc, alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Jouer à F1 et en même temps regarder mes lives de course, c'est le meilleur truc. En plus, le pire, sur la Ligue Xbox, il n'y a pas de caster. Ah, t'es sur la Ligue Xbox de la VMV? Ouais, du coup, on a Tex hein, qui a déjà abandonné, mais Tex avait écopé d'un ban qualification suite aussi à une sanction du dernier GP. Donc, il partira dernier aujourd'hui. Et il y a plusieurs pilotes qui ont tenté déjà là en début de qualif les médiums. Il y a déjà 3 pilotes en piste en médium. Et ouais, du coup, sur circuit, la stratégie elle est assez simple hein. C'est soft médium ou médium soft si vous préférez inverser. Mais ouais, cette stratégie qui se fait très facilement. Hein. Silverstone, c'est pas un circuit qui use beaucoup les gommes. Et du coup, bah là, avec le temps clair du début à la fin, bah, la stratégie sera assez simple. Et on voit qu'il y a déjà quelques pilotes qui essayent les médiums en début de course, enfin en début de qualif, pardon. Donc on va voir si ça vaut le coup ou pas. On voit là Borzac qui a fini un tour en médium, qui a une seconde une de Flyco en soft. Donc, on va voir s'ils vont réussir à rentrer dans le top 10 ou pas. Qui a été le premier à faire un temps, une 27-746, hein, comme tu le dis, suivi de Morzac à une seconde d'écart avec les médiums. Et Full Golden hein, qui vient prendre la pole de pas beaucoup à Flyco. Ouais. Il y a à peine, laisse-moi faire le calcul, là, 14 millièmes de différence. J'étais vif ou pas long. C'était long. Hein, vrai, bon, une seconde à Sanou, le quatrième, une 29 en médium aussi, donc juste derrière Morzac. Hein. Voyons voir qui va arriver. On a une Ferrari en tour de sortie, on a une Red Bull qui est en tour de sortie, une McLaren. Ouais. Le prochain, ça va l'air d'être Mickey Mac, si j'ai pas de bêtises. Ok, on va suivre Mickey Mac. Le Grand Prix de Silverstone, c'est un classique. Il est présent quasiment tous les ans, je pense. Je sais pas depuis combien de temps. Il est actif, mais c'est un circuit qui est assez populaire, je pense. Parce que comme Hamilton, il est britannique. Et Mickey Mac, une 28-041. La Domos qui passe la ligne. Ouais, juste devant son coéquipier Alfa Romeo. Allez, on va suivre Mika, la fin de tour de Mika. C'est le prochain. Allez, voyons voir le temps de Sparta en même temps. Ah ouais, Sparta, ça y est, il prend la pole, 6 dixièmes d'avance. Voilà, on vous disait tout à l'heure, Sparta est premier du classement, il a 50 points d'avance et il montre encore une fois que c'est pas pour rien. Il fait un sacré temps. On va voir aussi. Le prochain arrivé, c'est donc Mika. Bon, tu peux aller sur sa théorie. Bon, on va suivre de la fin du tour Mika. Non, français qui rentre, pardon. Salut V19, il nous demande qui caste l'Alixé. Alors, l'Alixé, c'est Tercero et Warzazat. Et Warzazat, il me semble que Warzazat il est pas là ce soir. Ouais, donc ça doit être sur la chaîne de Tercero. Donc, Tercero, c'est T-E-R-Z-E-R-O. Si tu veux aller voir. Et du coup, un Mika qui est arrivé, qui a fait une 29-080. Mm-hmm. Pendant ce temps-là, il y a Guilux qui s'est placé 6ème, lui qui est 2ème au classement général. Ouais. Et qui va vouloir faire mieux, hein, je pense. Tic, ouais, du coup, Tic, une 29-120. On va suivre le tour de Flocus, hein, on va rester sur sa caméra pour un peu voir le circuit. Le circuit entièrement. Et il arrive dans le début du deuxième secteur.
Il y a Domos qui a fini un deuxième temps là, il est passé deuxième. Je sais pas si t'avais vu, il a bien ouais, amélioré. Exact. Il a amélioré de 4 dixièmes. Le pilote Alfa Romeo. Ouais, ce virage assez compliqué, hein, le virage de Cops, qu'on ne peut pas prendre à fond, je pense pas. Moi en tout cas j'y arrive pas. En qualif, si il me semble. Ah, faudra que tu m'expliques avant demain parce que ça permet. Ça me permet de gagner des dixièmes. S'il faut. En quoi ? Je prends un drift. Je prends un drift, c'est pas compliqué franchement. Ouais. Et okay. Ça se fait tout seul. Et de rien, le 19. Ouais, du coup, il y a Flocus qui va arriver. Allez, voyons voir ce que ça donne. Et une 29-512. Hein. Peut-être relancer un tour ? Non, on peut pas. Allez, et on se met sur la caméra de Wadier. Qui a pas encore ouais, de temps. Pour l'instant, coup, ouais, texte. Les médiums qui vont pas tenir. Hein. Ouais, les médiums pour l'instant. Il y a que Hassan qui a fait un temps. Mais bon. Il est au stand, j'imagine qu'il va ressortir en soft. Et pour l'instant, texte, pense... malgré son abandon, il est encore 12ème. Hein. Ouais. Il résiste. Pas mal de pilotes qui. Ah, il y a Puff Puff. Et ça y est, Bradir. On n'avait pas vu. Ah, oui, exactement. On n'avait pas fait attention. Il y a Puff Puff qui a dû avoir un accident qu'on a loupé. Et pendant ce temps-là, un Brady, une 29-019 qui se place à la 8ème position. Il chip la 8ème position à. À Hassan. Et on va suivre Zomag. Alors, je te laisse vérifier si Flocus, s'il a relancé un deuxième tour. Je sais pas. Non, pas relancé. Au stand. Du coup, bienvenue à tous. Hein. Pour ceux qui sont arrivés entre temps, on le rappelle, ce soir c'est la Ligue B, le 8ème Grand Prix de la saison sur 10. Donc, pas mal d'enjeux, hein. Beaucoup d'enjeux pour ceux qui espèrent monter en Liga et pour ceux qui espèrent ne pas descendre en Ligue C. Et il y a encore beaucoup de points à prendre, donc cette course risque d'être déterminante pour cette fin de saison. Ouais, Zomag, ça prend un peu large à Cops, mais ça coupe pas. Et il a dû perdre trop de temps. J'ai dû considérer qu'il perd trop de temps. Par contre, là, ça coupe. Et il va pas pouvoir faire de temps. Et oui, du coup, t'allais nous dire. Il y a Yassine qui tente les. Bah, qui est d'ailleurs le prochain à faire un tour, il me semble. Qui a tenté les médiums. Voilà, en ce milieu de calife. On va voir si ça vaut le coup ou pas. Ouais, donc il a décidé de garder les médiums pour. Au moment où la piste serait peut-être un petit peu plus jouable, et ah, il coupe malheureusement. Et salut Bouzam. CP7. Comment tu vas? Brady qui a amélioré de 4 dixièmes sur un deuxième tour lancé. Il prend la P7 avant Zach 09. Puis, allez, on va suivre le temps de Francie. Hein. Francie qui nous a habitué à de très grosses performances, lui qui est réserviste. Donc on va suivre son tour. Il n'a pas fait de temps encore. Ah, ça y est, Tex il est passé 13ème. Et du coup, Tex, malgré son bas de qualification, partira devant Puff Puff. Ouais, du coup, Puff Puff qui s'est crash avant de pouvoir faire un temps. Et du coup, ouais, partira derrière Tex. Alors que Tex, du coup, vraiment, il a. Pour le coup, j'avais vu, il a vraiment abandonné dès le début de la qualif. Ouais, mais c'est en fonction du classement aléatoire. Et Francien qui prend la pole. Francien. Une 27-014. Et il y a Full Golden aussi, qui a fini son tour pendant qu'on parlait de Tex, qui a amélioré d'un peu moins de 3 dixièmes, et qui maintenant est sur le podium, à la troisième position pour la course. Donc un bon temps aussi du pilote As. Ah, il y a Mickey Mac hein, qui a amélioré, mais qui a pas pris de place. Il va peut-être relancer un tour, et là on suit Guilux, 3 dixièmes d'amélioration. Mm-hmm. Donc il va falloir aller chercher un peu plus, hein. On le voit, il a 6 dixièmes de retard. 3 dixièmes pour l'instant, c'est pas assez. Oh, il y a Hassan qui a cassé. Hassan qui a cassé à la sortie de Cops. Ouais, on le voit sur la mini-map. Lui qui avait retenté les médiums. Allez, ça arrive pour Guilux. C'est 6 dixièmes d'amélioration et du coup 5ème position. Il m'a entendu, il est allé chercher l'amélioration qu'il lui fallait pour gratter des positions. Et ça a fonctionné. Mmh. Du coup, il me semble qu'on a personne en tour.
On a peut-être des deuxièmes Il y a tours Mickey Mac lancés. qui était un peu en retard à la fin du premier secteur, ce qui va réussir à améliorer. Ouais, il a un petit retard, Et ouais, puis c'est vrai qu'il sinon, peut ouais, encore les gratter sur cette fin de tour. c'est le seul en tour lancé. Ouais, Et c'est oui, ça, ouais. il a un Ouais, il y a un dixième à la fin dixième du deuxième secteur. d'amélioration. Ouais, ça propulserait à la cinquième place, ouais. Il peut peut-être aller chercher un autre dixième pour aller gratter la quatrième. Allez, voyons voir. Petite vue au niveau de l'aileron. Allez, dernier virage. Et ouais, Et ouais, pas cinquième cinquième. position. Une grosse bataille là avec Guilux et Flyco. Ouais, il se place juste derrière son coéquipier. Et puis, est-ce qu'on a quelqu'un en Ouais, on a Tic. plus? Un petit canton, ouais. Exactement, c'est le seul du coup. Flocus, son coéquipier qui vient de lancer un tour. Allez, Tic qui a déjà 2 dixièmes d'amélioration sur le premier secteur. Allez, ça va. Là, Peut aller chercher pas mal de positions. ouais, les pilotes qui sont assez serrés jusqu'au 8e. Du 8e Et du coup, au. s'il serait capable de garder ses 2 dixièmes, il passerait devant Hassan, qui lui, du coup, a cassé, hein, et qui avait tenté les médiums. Du coup, bah, ça ferait sortir du top 10, lui donnant ainsi le choix libre de pneus. On va voir s'il arrive à les garder ses 2 dixièmes, ou peut-être même à en trouver plus, qui sait. Et bah voilà, il en Allez, trouve tic, 7. 7 dixièmes d'amélioration à la fin du deuxième Donc, ouais. secteur, comme tu le disais, il en a trouvé plus. Là, il est en train d'aller chercher Morzak 09, peut-être Brady, qui sait. Allez, Une voyons plus, voir on va voir. ce dernier enchaînement. S'il arrive à bien enchaîner la fin du circuit. Et ouais, Mais ouais, très très grosse amélioration, c'est et ça. du coup. Quasiment 1 seconde hein, d'amélioration et c'est la 8e position en 1:28,177. Ensuite, il y a son coéquipier Flocus. Lui qui a beaucoup besoin de points. Ah, il rentre au stand, bon, bah, j'ai rien dit. Lui qui a besoin de points, c'est lui qui. Il me semble qu'il est avant-dernier au classement. Et donc, du coup, c'est vraiment un GP où il devrait essayer de prendre un maximum de points. Hein, vu que Dida qui est derrière lui n'est pas présent et que Squeech qui est devant lui n'est pas présent non plus. Donc, à lui de faire une grosse performance pour essayer de se sortir des Ouais, places se de prendre un peu relégation, plus l'air, pardon. ouais. Histoire d'avoir Donc, un peu de ouais. marge au vu des 2 derniers GP. Exactement. Et là, Il Morzak rentre au stand. 1:09, il avait 1 dixième et demi d'amélioration sur le premier secteur. On va voir là au deuxième secteur. Il y a Yassine là qui va Et rentrer ouais, sur un tour. quasiment 4 dixièmes Et boum! d'amélioration. Eh ouais, Yaya Sim, t'as bien fait de le dire. Il prend la pole, 1:26, Prend la pole. 937. Il me semble qu'il avait tenté. Bah, c'est lui qui avait tenté les médiums en milieu de Ouais. qualif, mais du coup ça avait pas l'air de marcher. Hein. Il a pas signé de temps en médium. Ou alors peut-être c'était juste pour sortir, s'échauffer un peu, histoire de rouler un peu. Et du coup, ouais, il vient prendre la pole là. Allez, Morzak Très qui bon passe temps du coup pour dixième. Aston Martin. Il y a Mika là qui vient de finir le secteur 2. Il a trouvé 7 dixièmes. Une grosse amélioration en vue aussi pour le pilote Red Bull. Il pourrait aller chercher Tic peut-être. Peut-être le top 10 là pour Mika. On va voir. N'hésitez pas à nous dire dans le chat hein, si vous nous entendez bien, si vous entendez bien le son du jeu, on peut régler tout ça. Et ouais, une grosse amélioration de Mika, comme tu le disais, ça passe dixième. Allez, on va aller sur Cash d'un qui a pas vraiment de temps valide hein, et qui a coupé encore. Yaya Sim, non, il n'est pas en tour. Y a Flyco qui va finir son tour. Qui a pas vraiment trouvé de temps à la fin du deuxième. Hein. Il avait 6 Ouais, millièmes de retard, je sais pas si vous ouais. l'avez vu. 6 millièmes de retard, Et on du voit coup, aussi. Et ouais, non, ça un améliore très pas. mauvais Peut-être qu'il dernier relance un secteur. deuxième tour. Ouais, peut-être. Non, ça y est, Il y a ça coupe. Domos en tour. Dans Cops. Il a relâché Flyco. Domos. Hop, allez, on part sur Domos. Hein. Domos qui a 5 dixièmes. Ah, il a 14 millièmes de retard pour le moment. Peut-être que. Allez, voyons voir. Il a trouvé le temps dans à la fin. Ah non, ça y est, Ah non, ça il trouve un améliore. dixième et demi. Hein. Ouais, il Ouais. trouve un dixième et demi. On a Full Golden qui va lancer un Ouh, il a tour. failli la Oula, ouais, perdre. il a failli la perdre. Et c'est la fin des qualifs, hein. Il reste plus que 7 secondes. Ah ouais, moi il reste 50 secondes. Le bug Ah, est toujours donc pas il y a un arrivé. décalage. C'est sûrement ton chrono qui est bon. Ouais, ça améliore pas Ah. pour Domos.
ça améliore pas pour Domos. Par contre, on a ouais, Francine, ça relance un tour pour Kajda. On a Francine qui vient de finir le deuxième secteur. Namika qui va passer la ligne. Et Mika qui améliore, 9ème position. On a Zoma Francie, grand tour de sortie. Francie, okay. Ce sera Sparta. Après. Ok, très bien. Allez, voyons voir si Francis arrive à récupérer la pole. Et ouais, et quasiment oui. 3 dixièmes d'amélioration. 1.26.717. 2 dixièmes d'avance sur la sur Yaya Sim. Allez, on suit Sparta maintenant. Il y a Sparta qui a peut-être son mot à dire, le pilote Williams. Et ouais, 4 dixièmes d'amélioration. Juste derrière. Juste derrière Francis, en effet. Et du coup, ouais, c'était bien mon chrono qui était valide. Donc, ouais, les qualifications sont finies. On a Full Golden qui va arriver. Full Golden qui est en avance. Hein. Salut Puff Puff, comment tu vas? On avait même pas fait attention que t'avais cassé. Donc, tardivement. Et merci du follow, Déodorian33. Bienvenue à toi, bienvenue à la VMV. Ce soir, c'est la Ligue B. Profite du spectacle. Allez, Full Golden, qu'est-ce que ça va donner? C'est en amélioration à la fin du deuxième secteur et toujours en amélioration, ah, mais, ça améliore, mais pas de position. Pas juste derrière, il y a Domos. Domos, et après, ce sera son coéquipier. Ah, Domos qui améliore pas. Ouais, par contre, on a 2 dixièmes hein, d'amélioration pour Mickey Mac. Allez, qu'est-ce que ça donne? Et ouais, il chip la place à son coéquipier. Enfin, c'est de bonne guerre. Mika qui améliore, mais qui bouge pas, il me semble. Ouh là là, on a une casse là. On est une casse juste devant Flocus, une Aston Martin qui a. Et donc ouais, Flocus qui rentre au stand. Francis et Sparta qui sont en tour de rentrée. Les donc, qualifications sont donc finies. Voilà, voilà. Et du coup, on a eu quand même 3 abandons, 3 casses. Zomag et Puff Puff qui n'ont pas fait de temps. Tex, on le rappelle, hein, c'est qu'il n'a pas pu faire les qualifs suite à une sanction du dernier GP. Mais il ne partira pas dernier. Il partira 16e. Donc voilà, c'en est fini de ces qualifications. On va faire. Les pilotes vont avoir une petite pause hein, pour se préparer, 2-3 minutes. Et nous, en attendant, on va inviter le poleman de cette séance pour avoir ses impressions sur ce GP. Voir comment il aborde ce GP. Donc on le rappelle, hein, le temps aujourd'hui, ça sera temps clair. Toute la course, donc les pilotes sont tranquilles au niveau de du temps, bah, tout simplement. Ah, ça y est, le dernier pilote au stand pour que les qualifs s'arrêtent. Après, je te laisse lancer une prédiction. Bien sûr, maintenant ou pendant le tour bah, de formation. Tu peux la lancer maintenant pour les 5 minutes qui viennent. Bon, après, salut Francis. Salut. Comment tu vas? Ça va et vous? Ouais, ça va, merci. Ça va très bien. Bah, GG, hein, bravo à toi pour cette pole position. Hein. Ça a été une bataille jusqu'à la fin, parce qu'on a vu même Sparta arriver à la fin et être juste derrière toi à 31 millième. Bah, GG, et puis. Comment tu te sens ici? Je crois que j'ai pris un setup désastreux. Ah. J'ai peur à chaque virage. Ouais, c'est vrai qu'on a des virages assez compliqués comme Cops où on a vite fait de la perdre. Ouais, mais bon, surtout leur accélération, j'ai peur. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé de prendre un setup qu'on m'avait conseillé, mais je crois que j'aurais pas dû. Mais sinon, à part ça, peut-être qu'avec le plein, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Je pense que ça sera pire. Bah, à voir. Mais du coup, tu le sens pas très bien. Donc peut-être non. Sparta qui a un coup à faire. J'ai aucun train arrière. D'ailleurs, je pense, vous voyez, sur mon tour, je faisais que de mettre la 4 en réaccélération. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait forcément attention, mais du coup, on comprendra peut-être certaines actions du coup. Bon, on va te laisser aller te préparer, on va te souhaiter bonne chance et puis encore GG. Merci. Pour cette pole. Hein. Merci, bonne chance à vous aussi. Merci. Bon, du coup, Francis qui a pris des risques, qui a pris un setup assez glissant comme il nous le disait. Et
du coup, bah, ça va rajouter de l'enjeu à cette prédiction qu'on va vous mettre, hein, parce que la prédiction qu'on aime bien faire en chaque début de GP, c'est à savoir est-ce que le poleman, donc Francis, va conserver la tête à la fin du premier tour. Donc vous avez un peu les impressions Hop. du poleman qui glisse un petit peu, donc à voir comment sera son départ. Donc ça y est, les prédictions sont lancées, C'est bon, la prédiction est là, c'est bon. n'hésitez pas à dire oui si Francis pour vous sera premier à la fin du premier tour. Ou si vous pensez que Cas, non, bah, mettez ça non. reste de nous donner un bon GP. Et ouais, on a vu que, encore une fois, hein, là pour la pole, ça s'est joué à pas beaucoup. Il y avait plusieurs pilotes qui étaient séparés par très peu de temps, pardon. On a vu aussi que dans le milieu de tableau, ça se bagarre bien, c'est à peu près les mêmes temps. Et puis en fond de grille, on a des pilotes aussi qui vont vouloir remonter. Donc je pense que ça va nous donner un bon petit GP. Et puis on espère pas de safety car dès le début. On croise les doigts, bien sûr. Mais bon, on verra. Faut pas être Ouais, trop pressé non plus. on verra où est-ce que ça va nous mener, mais bon, on le sait, les pilotes, ils sont assez propres, et puis bon, s'il y a un accrochage, ben on fera avec. Mais bon, comme tu le disais, ça va nous, on va avoir un bon GP là. On a des pilotes, à mon avis, qui ont envie de marquer beaucoup de points. On a vu un des temps assez rapproché. Hein. On a vu que le poleman avait 31 millièmes d'avance sur le deuxième, sur Sparta. On voyait par exemple les deux coéquipiers Alfa Romeo qui avaient à peine un dixième de différence. Donc, comme tu le disais, il va y avoir de belles batailles. Donc, le GP qui devrait être lancé d'ici 2 minutes. Hein. Vous avez encore la prédiction? Ça va bientôt se lancer. La Ligue APS 4 PS5, c'est demain soir, hein. C'est C'est commenté demain. par Vous êtes trop Brady et tôt. Le Pack, demain à 21h. Et du coup, NWQS, là tu me disais, t'es sur Xbox et c'est ce soir aussi. Je savais pas que la Xbox c'était le lundi soir aussi. Donc la Ligue Xbox qui vient de se lancer, c'est bien quand même, hein. On a des ligues PC, plusieurs ligues PS4, PS5. Le retour. Si vous avez besoin d'un championnat, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ouais, demain, du coup, hein, la Ligue A, c'est le temps dynamique. Peut-être qu'on aura de la pluie. On le rappelle, hein, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, avec Louisy, on roule chez Mercedes. Demain, en Ligue A. Louisy était plutôt bien placé au classement en plus. Ouais, ça va, ça, on se débrouille. Malgré des mauvaises courses, non, mais on fait ce qu'on peut, hein, bien sûr. C'est jamais simple. Et puis voilà, quoi. Ah, d'accord, les Xbox, c'est le dimanche à 17h. Salut Sarah, comment tu vas? Sarah qui est là pour encourager Hassan. Sarah qui est toujours là pour nous encourager. Pour encourager son homme. La Ligue Xbox est encore en pré-saison car on n'est que 13. Ah, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur Xbox et que vous cherchez un championnat, n'hésitez pas à rejoindre. C'est le moment. Lightning qui dit ça, arrête de supporter Hassan. Lightning, laisse-la tranquille. Laisse-la supporter son homme. Allez, allez Hassan, on veut des points chez Mercedes là. Bah ouais. Ah non, Lightning il dit tu lui portes la poisse. Terrible. Allez, c'est parti, hein. La Ça course y qui va est, démarrer, formation. on a le tour de formation Ça va, je l'ai d'abord. pas oublié, ça fait plaisir. Et on a du médium, mais du soft aussi, en dehors du top 10. On a des stratégies différentes Alors, on a parmi fait les un. derniers. On voit que Tex Puff Puff et Brady, pardon, sont les trois pilotes qui ont choisi de partir en soft. Du coup, des softs neufs, hein, qui sont un peu moins usés que ceux du top 10. Et puis, ouais, on va garder un œil sur eux en ce début de course, hein, parce que du coup, ils voudront gagner un maximum de positions sur ces premiers tours. Et voilà quoi. Comme tu le dis, On verra. les softs, il va falloir faire attention à eux qui vont forcément avoir un meilleur rythme que les médiums. Donc attention aussi à ne pas se précipiter.
premier tour en C1. Ceux qui sont dans le peloton, ça va être plus compliqué pour eux. Il va falloir que les voitures s'espacent un peu pour être plus tranquille, pour pouvoir mettre trouver un rythme. Puis après, avec le DRS, tout va s'enchaîner. Le Royaume-Uni hein, qui a un stand très très long, hein, donc l'arrêt au stand il va être très important. Exactement. Et il faudra pas faire d'erreur hein, parce que s'il n'y a pas de safety car, clairement, ça sera très compliqué pour ceux qui feront des erreurs. Ouais. Et même pour le coup, ne serait-ce qu'une simple erreur, par exemple d'un virage mal pris, qui fait sortir la personne du DRS, c'est très compliqué d'en revenir. De ce que j'ai pu voir. Et du coup, les zones de DRS sont quand même assez grandes. Hein. Et du coup, bah, le DRS et également l'aspiration, bah, ça joue un bon facteur, je pense. Et ouais, du coup, si on n'est pas dans le DRS de la personne devant, c'est compliqué. Parce qu'on va moins vite, on ne peut pas économiser le RS. Donc, ouais, vraiment éviter au maximum les erreurs. Et puis les pénalités, hein. Mais bon, ça, c'est comme à chaque circuit, ça change pas de d'habitude. Voilà. Pilotes qui devront être bien concentrés sur ça. Allez, ça y est, les derniers pilotes qui vont se placer sur la grille. Hein. On a déjà Francis qui est placé depuis un petit moment. On le rappelle, hein, sur le jeu, les pneus, une fois qu'on est sur la grille, ne refroidissent pas. Donc même si les autres ont eu plus de temps à arriver, ceux de devant ne seront pas pénalisés. C'est un truc qui a été mis en place sur le jeu, qui est plutôt pas mal. Hein. C'est vite un petit fair play. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Puis ça y est. Les feux qui s'allument. C'est parti. Vous connaissez la procédure à l'arrêt. Ça démarre. Et ça y est, c'est parti. Et on a un bon départ de Francis. Et Full Golden aussi qui a plutôt fait un bon départ, mais il n'a pas pu gratter de position. Par contre, derrière, ça suit de près. On a un départ qui se place plutôt pas mal pour l'instant. Et on a des dégâts à l'arrière. C'est Tex. Et là, on a Mickey Mac hein, qui plonge à l'intérieur de Full Golden. Alors, accélération sur l'extérieur. Full Golden va avoir plus de puissance. Et attention, Hassan. Ah, Hassan Caspin. Et Hassan Caspin. Et le chat noir Lightning a fait effet. Voilà. Allez, Flyco. Hein, qui essaye. Ouais. Et on a Tex hein, qui est repassé 17ème. Ouais, c'est son dernier va devoir passer au stand. Et du coup, ouais, très mauvais départ pour les Mercedes. Ouais, par contre, devant, on a un bon départ hein, de Francis, hein, qui a quasiment déjà une seconde d'avance. Et là, ça y est, il a la seconde. Il y a Yassine, par contre, lui, il est collé à Sparta. Alors, Sparta qui a pu prendre un peu d'air là, à la sortie de Chapelle. Allez, on est sur la caméra de Domos qui est lui très très proche aussi de Flyco. Il y a Tic aussi qui est juste derrière. Allez, un Francis qui va réussir à finir le premier tour en tête. Hein, donc tu vas pouvoir valider la prédiction et bien jouer à ceux qu'on dit oui. Et il va même signer le meilleur tour tout simplement. C'est normal, le premier tour, une 31-994. Allez, on va aller sur Tic. Je vois là qu'il est proche de Domos, même Flyco. Est-ce qu'il y a peut-être une attaque qui va être tentée? Et non, ça va attendre tranquillement d'être mieux placé. Ouais, il est très proche. Hein. Est-ce que c'est attention, hein, Guilux, on l'a vu, il a glissé un petit peu à la réaccélération. Est-ce que ça va être le moment pour Flyco d'attaquer. Ouais, ça défend devant, ça utilise le RS. Par contre, là, on a Puff Puff qui va passer sur Brady. C'est passé sur la ligne droite. Pas de perte de temps pour les pilotes. Ouais, devant un Francis qui s'est bien envolé. Une seconde, trois d'avance. On a ce Tex qui passe au stand. Et là, vous voyez un Tex qui doit passer au stand. Il a perdu un temps fou. Ouais. Et du coup, il y a Sparta qui lui aussi a creusé un écart sur Yassim. On a vu qu'au premier tour, il était vraiment collé à la Williams. Et là, du coup, il y a déjà une seconde, une d'écart entre les deux pilotes. Donc, Sparta qui a aussi augmenté son rythme. On va voir si Yassim il peut revenir. Derrière, ça a l'air de suivre plutôt correctement. Tout le monde est dans la ligne de tout le monde, j'ai l'impression. Et ouais, c'est vrai que plutôt clean, on a un très très gros train là. Tout le monde est en dessous de la seconde, comme tu le dis, du 3e au 14e.
Et il faudra faire attention hein, aussi aux pénalités hein, qui auront sûrement un impact en fin de course. Et par contre un Flycook qui est très très près de Guilux depuis tout à l'heure, on le voit. Il n'a pas pu attaquer, maintenant il aura le DRS. Par contre Guilux, je sais pas s'il va l'avoir devant sur Mickey Mac. Et non, Guilux qui... Ah si, si, là aussi, donc il va pouvoir se défendre. Donc, pas d'attaque pour l'instant. Et attention, on a un drapeau jaune, et je crois que c'est Hassan. Hein. Hassan qui a... passé dans l'herbe, il me semble. Ouais, qui a eu un petit problème au virage 3. Allez, on est sur la caméra de Puff Puff qui est très très proche de Mika, là, juste avant Cops. Ouais, il va mieux ressortir, hein. il va essayer de se passer sur l'extérieur là de Mika. Ouais, non, il a relâché, c'est vrai que c'est très compliqué. Hein. On veut passer ici à deux, vous voyez, dans les S là. C'est improbable. Là, il y a une zone de dépassement par contre. Mais du coup, il a perdu un petit peu de temps et ça va être compliqué maintenant d'attaquer. Allez, on va aller sur Mickey Mac. Ouais, il y a Yassim hein, qui est revenu, qui avait fait son retard sur Sparta et Sparta qui pourra pas se défendre avec le DRS, donc attention à la prochaine zone de DRS qui va il a dépensé tout son ERS pour se débarrasser de Sparta. Sparta il a 70%, Franci il a 20-25, donc on va voir si cette stratégie elle paye ou pas. Ça peut être une bonne stratégie, mais ça peut être compliqué parce que si Yassim et Sparta se tirent l'un l'autre, ouais, ils vont vite le rattraper. Allez, pas de dépassement pour le moment. Les pilotes hein, qui suivent. Allez, on va retourner sur Yaya. J'essaie de voir un petit peu tout le monde, mais je vois que Yaya se fait très très pressant là sur Sparta. C'est pas louper les dépassements comme ça nous arrive certaines fois. Cette fois-ci, on reste à l'affût. Ouais. Ouais, j'ai cru que Puff allait y retourner au tour suivant, mais non. Allez, ça ressort bien là pour Yassim. Il est dans l'inspiration. Hein. Avec l'aide du DRS, de l'ERS, il va essayer de plonger à l'intérieur. Et ça va passer, il me semble. Hein. Non, on a Spartan qui est toujours là. Qui est toujours là et qui va se défendre. Et ça, c'est exactement ça, c'est le scénario parfait pour Franci. Les deux sont en train de se faire perdre du temps. Ouais, là, exactement. Il est passé, mais il a 2 secondes 7 de retard, donc ils ont perdu 7 dixièmes, ce qui est énorme pour le coup. Et donc ça fait les affaires de Franci. Ouais, et là, je vois qu'on a Tic qui est dans l'herbe. Tic-tic. Allez, son coéquipier qui va le passer. Il a fait un petit tour dans l'herbe. Il a spinway dans le dernier virage. Je te laisse nous confirmer qu'il a oh, pas dégâts. Oh, Marzac qui a cassé, Marzac 09. Je sais pas c'est où. Terrible. Juste avant la zone de DRS, sur la gauche, et voiture de sécurité. Et ça va faire les affaires des Mercedes. Ça va faire de Hassan et Tex qui du coup peuvent revenir. Et puis même donc là, il a dû la perdre ici. Où est-ce qu'elle est la voiture? Tex qui rentre au stand. J'ai pas vu la voiture. J'ai essayé de l'avoir aussi, mais je sais pas. Il me semble qu'elle est sur la gauche. Peut-être quand il arrive sur la ligne droite, non? Enfin, juste avant d'arriver sur la ligne droite, tu sais. Ouais, et il la perd et il part du côté gauche, je sais pas. Et du coup, on attaque un car plongé au stand, car chaussé des médiums. Un des pilotes qui pourrait peut-être tenter de chausser des médiums pour aller au bout, non? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être, ouais. Ah, je pense que c'est l'objectif, hein. Il me semble, parce qu'il avait commencé en soft, il a cassé, il est rentré au stand pour remettre des softs. Donc il savait que s'il s'arrêtait pas maintenant, il était forcément obligé de s'arrêter à nouveau. Donc du coup là, il met des médiums, ce qui lui donne la possibilité d'aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il va pouvoir? C'est une autre question. Mais en tout cas, on a tout le monde qui rentre au stand. On a Domos qui continue. Domos qui continue à pas se faire retenir. Puff Puff aussi. Et ouais. Ouais, et les pilotes. Les seuls en soft qui décident de rester sont Domos et Puff Puff du coup. Ouais. Nasdomag en médium, ça s'arrête pas. Les médiums logiquement.
Ouais, on a que deux pilotes en soft qui ont décidé de pas s'arrêter, les médiums continuent. Full golden qui met les hard. Intéressant. Des médiums qui risquent d'être à l'agonie en fin de course, mais c'est vrai que je connais pas trop la différence entre les médiums et les hard sur ce circuit, donc bien le temps de voir les médiums. Pour le coup. Donc à voir si peut-être Full Golden fait une bonne opération ou pas. En plus, s'il y a une autre safety car en C1, peut-être que les pilotes qui ont chaussé des médiums s'arrêteraient. Lui pourrait continuer, donc à voir. Ouais, du coup, Domo, c'est pas sûr qu'ils ne se sont pas arrêtés. Peut-être qu'ils vont s'arrêter à ce tour-ci, mais ça m'étonne quand même. Une petite voiture de sécurité. Hein, les pilotes qui, une fois qu'ils seront tous réunis... redémarra, et là c'est quand même une sacrée bonne opération pour Tex hein, qui va pouvoir revenir dans la course et recoller au peloton. Donc je pense pas que c'est Pastuff qui espère une autre safety car éventuellement pour pouvoir enfin s'arrêter et mettre des médiums, mais ouais, on va voir si ça va payer. Après, si les autres médiums sont obligés de s'arrêter encore une fois... C'est pas sûr. Je pense qu'il y a moyen de les amener jusqu'au bout. Bon, on fera attention à Domo CPFPF, voir ce que ça a donné en fin de course. Parce qu'après, c'est la même aussi hein, pour ceux qui sont en médium. S'ils s'arrêtent, ils vont devoir s'arrêter aussi. Par contre, eux ont l'avantage d'être en soft à la fin. Exactement. Ouais, on va avoir le droit encore à un petit tour de safety car avant la relance. C'est ça. Texte qui est dans la ligne droite. Il devra bientôt se recoller avant la fin du tour. Enfin, avant la fin du deuxième secteur. Et puis, voilà. Ouais, ça va. Sous safety car en Ligue B, on n'a pas trop de problèmes. Des pilotes qui font attention, qui se laissent pas mal d'espace. Je me rappelle pas avoir eu des collisions, si peut-être la dernière fois au Japon à cause d'un Delta. Ouais, par contre là on a Francie. Francie qui a pris large, du coup Yayasim a voulu passer direct, mais le jeu a demandé qu'il lui rende la place, ce qui est logique. Enfin, c'est vrai que sous safety car on n'est pas sous le même rythme qu'en course, donc ça peut être des fois déstabilisant sur certains virages. De se trouver aussi bas rythme. Ouais. Mais ça y est. C'est pour ça qu'il faut toujours faire preuve de prudence sur ce petit cas. Parce qu'une collision et 5 secondes, ça peut arriver très vite et puis ça fait de gros dégâts. Ouais, surtout qu'on est en ça dégâts de simulation. Le moindre contact, en effet, ça peut vous handicaper. Bon, allez, ça y est, la voiture qui va rentrer. Sur ce tour, la voiture de sécurité, elle devrait l'annoncer au début du troisième secteur. Ce qui va permettre encore aux pilotes de pouvoir chauffer leur gomme et de prendre le rythme que le leader va imposer pour pouvoir effectuer la relance comme il le souhaite. Alors je sais pas si t'as peut-être des infos sur l'usure des gommes des deux softs de devant. Bien sûr. Domos qui a à peu près 25% d'usure sur ses gommes, il a 30% à l'avant gauche, 27% à l'avant droit et 24% et 22% au pneu arrière. Puff qui a un peu mieux tenu ses gommes, il a une vingtaine de pourcents à l'avant et un peu moins à l'arrière. Et puis les trois pilotes en médium. Juste derrière tourne autour des 10-15% sur les 4 pneus. C'est également le cas pour car lancé Puff qui a glissé un petit peu, un très bonne relance hein, de Domos qui a il y a une distance entre quasiment tous les pilotes. On a Francie par contre qui a fait une meilleure relance que Flocus et qui va passer directement avant le premier virage. Attention derrière, on a Yayasim qui a voulu aussi s'infiltrer mais qui a dû prendre au large. Ils ont évité le crash là, il me semble.
Ouais, du coup, Francis qui a fait la bonne opération, qui a déjà doublé, qui met un écart entre lui et Yassim. Et il y a Yassim. Ah, il y a Yassim qui va y aller, lui aussi. Ah, il y a Yassim qui a des dégâts au niveau de l'aileron, du côté droit, il a 10% de dégâts, le pilote alpha. Ouais, donc c'est bien ce qu'on l'a vu en dehors de l'herbe. Là, il a eu un petit contact. Et ça y est, il est passé sur Flocus. Et il y a Spartan qui va en profiter aussi pour passer direct. Mais vous le voyez, il y a Yassine qui a déjà une seconde 7 hein, de retard sur Francis. Francis qui a, comme tout à l'heure, imposé le rythme direct. Et par contre, un Sparta qui était passé derrière Yassine. Ah si, Yassine ouais. Était passé tout à l'heure avant la safety car déjà. Si, Yassine était passé effectivement quand il s'était battu dans la France, juste pas dans le secteur. Et Kimak qui passe aussi, des difficultés pour Flocus. Oula, il y a beaucoup de voitures là. Énormément de voitures. Ouais. Petit Lux. Ouais, il y a Flocus qui est en. Flocus qui a des dégâts ou pas qui a l'air de laisser passer. Non, il a pas de dégâts. Ah, il a peut-être un petit peu de mal sur circuit. Il a préféré préciser. Peut-être pas prendre de risques. Il préfère plaider sa part. Du coup, derrière, ça va faire une bataille à 4. Avec 4 autres voitures. Allez, ça y est, c'est reparti. Le petit train-train qui recommence. DRS qui est toujours pas réactivé. Et derrière, on a Brady. Ah, Brady qui l'a perdu. Brady qui a cassé sur mon aileron. Flyco aussi. Ah, terrible, on était sur la caméra de Flyco. Brady qui a 5% de dégâts sur l'aileron du côté gauche. Flyco qui est reparti quand même assez rapidement. Pas de dégâts pour Flyco du coup ? Non, Flyco n'a pas de dégâts. Il est Brady à 5%. Donc, Allez, on va suivre un peu Mika là qui est très proche de Flocus. Hein. Et Flocus qui en plus a les pneus usés par rapport aux autres. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il a un peu de mal. Allez, on va aller suivre un Francis devant aussi qui est très très près là de Zomag. Peut-être. Qui a mis un gros écart. Ah, et du coup, on est parti de la caméra de Mika. Et ouais, Flocus hein, qui laisse passer vraiment tout le monde. Allez, on va aller sur Kajda. Et du coup, c'est Francis qui est passé sur Zomag cette fois-ci. Ah, il y a un drapeau jaune. Est-ce que ce serait pas Flocus qui ralentit ouais. Flocus ou Tic ? Il me semble que c'est. Ah non, c'est Flyco, pardon. Flyco qui a ralenti. Williams. Ouais, on a Kajda qui laisse passer son coéquipier. Il doit savoir qu'il a un meilleur rythme et du coup, faut pas lui faire perdre de temps. Ouais. Peut-être même essayer de nous faire une pérèse sur Yassim et Zomag pour permettre à Francis de passer. Allez, de l'autre côté, on a aussi les Alpines qui se laissent passer entre elles. Les stratégies d'équipe. Allez, Flyco hein, qui devait avoir des dégâts, qui passe au stand. Ouais, 33% de dégâts, là, il les a récupérés à la fin du tour, je sais pas à quel virage. Il a pris des dégâts le pilote Williams. Il y a Tex qui est passé P12 en dépassant la Red Bull de Mika. Ouais, on a vu les dépassements, mais on les a vus que à la fin, malheureusement, on n'a pas vu les actions. Ouais, et il y a Yassim qui a du mal à combler son retard sur. Sur Zomag, hein. Il est toujours à une seconde 7. Kajdanovic prend 3 secondes. Ouais, première pénalité pour Kajdanovic. On va passer Puff Puff, ça y est, c'est fait. Et derrière, on voit un Full Golden qui, avec ses hards, a un bon rythme, hein, qui arrive à suivre Mickey Mac et. Ouais, il tire petit à petit. Et du coup, pourrait être une bonne affaire pour lui. Puff Puff qui prend 3 secondes, oui, je disais que Yassim a du mal à combler son retard, bah c'est parce que j'avais oublié qu'il avait des dégâts le pilote Aston Martin. J'avais oublié qu'il a 10% de dégâts du côté droit de l'aileron. Du coup c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Et vous l'avez vu, un meilleur tour pour Francis. Et ça fait les affaires de Francis. Ouais, qui prend le meilleur tour et qui est très très bien placé. Hein, qui après cette relance a réussi à doubler ceux qui avaient les pneus usés et il se retrouve déjà deuxième et Yassim et Sparta eux, par contre sont déjà assez éloignés de lui, hein, à 2-3 secondes, donc il y a plusieurs voitures entre eux. À voir comment se profile le reste de la course. Bon, un Sparta hein, du coup hein, qui est bloqué derrière Yassim, qui avec ses dégâts à l'aileron va essayer de limiter
la perte de temps. Il a décidé de pas s'arrêter. Non, je pense que pour 10%, ça vaut pas le coup de changer son bilan. Mais c'est sûr que c'est contraignant. Ouais, on voit un Sparta qui ressort mieux de Cups. Ça se voit qu'il va moins vite dans les virages. Ouais, là, c'est... ça semble être compliqué pour lui. Un Sparta qui devrait tranquillement passer avec l'aide du DRS. Il y a Simon qui essaie de défendre quand même. Mais ça va passer en tranquillement. Et du coup, ouais, Sparta qui est enfin libre pour aller chasser. Et on a le leader Domos qui décide de s'arrêter. Mm-hmm. On va voir où est-ce qu'il va ressortir. Est-ce que. Ça, il risque de ressortir loin, hein. Très très loin à mon avis. Ouais. Il a pas encore. Voilà, il vient de s'arrêter dans les stands. Et il repart. Ouais, je pense qu'il va ressortir. Les 15 peut-être. Je pense que ouais. Focus qui va largement passer devant. Focus qui s'est pas arrêté non plus. Mais ouais, du coup, Domos qui regrette peut-être de pas s'être arrêté. Quitte à subir la perte de temps derrière son coéquipier, je pense que ça valait le coup. Parce que du coup là il a perdu beaucoup beaucoup trop de temps. Oh, et on a Flocus qui a spin. Ouais, Flocus qui a spin. Pas de dégâts pour le pilote alpine. On a vu l'image, on l'a vu dans l'herbe après. Allez, de Hulk, on va repasser. À la tête de course, hein, on a Francis du coup qui a récupéré la tête et qui a déjà 3 secondes d'avance. Hein. Et derrière, par contre, ça se bataille entre ces trois pilotes qui se sont pas encore arrêtés. Là, on a Kajdanovic hein, qui va passer sur Puff qui n'avait pas de DRS pour se défendre. Et Puff qui va, je pense, s'arrêter dans les prochains tours. Ouais, ça y est, il s'arrête. Ça s'arrête aussi pour Puff hein, qui devrait ressortir juste derrière Domos. Arrêté ouais, un tour avant la même stratégie, mais Puff avait déjà 2-3 secondes de retard, il me semble. Alors, on suit Zomag hein, qui reste aux trousses de Kajdanovic. Ouais. Donc, les deux derniers pilotes, hein, non, on a Hassan aussi, hein, les trois derniers pilotes à ne pas s'être arrêtés. Il y a Sparta aussi en embuscade hein, qui a fait la première erreur. Ouais, attention, ouais, justement, tu parles d'erreur. Hein. Il y a Zomag là qui a loupé sa réaccélération, qui a même été obligé ouais. de couper et qui a pris la pénalité de 3 secondes suite à un troisième avertissement. Il y a Gilux aussi qui passe sur Full Golden. Ouais, Full Golden en hard. Qui a perdu un peu de temps sur Mickey Mac et du coup qui s'est fait doubler par Gilux. On va voir si. Tu vois, il y a Yassim qui suit comme il peut, hein, malgré ses légers dégâts à l'aileron. Il reste dans la seconde hein, depuis qu'il s'est fait dépasser par Sparta. Et il n'a pas encore de pénalité, contrairement au pilote autour de lui. Donc, pour l'instant, tout va bien. Yassim. Alors, on a Mickey Mac hein, qui est quand même très très proche de lui. Alors, on a Sparta qui va passer sur Kajda. Ouais, Mickey Mac qui a pas pu plonger. Golden non plus. Là derrière, on a plus de bataille. On a des batailles un petit peu devant. Ouais, c'est plus devant que ça se passe, en milieu de tableau aussi. Ouais, mais ouais, derrière, Golden, les pilotes perdu sont un petit assez peu bien, de temps là. Ça va être compliqué là pour Full Golden s'il sort du DRS. C'est important là pour Full Golden de s'accrocher. Même si ça risque d'être compliqué. Il arrivera peut-être à rattraper du retard. En fin de course quand les médiums seront usés, mais si devant il y a un train de DRS, ça sera quasiment mission impossible pour lui. Hein. Et du coup un Sparta qui a récupéré lui aussi la deuxième position, mais Kajdanovic hein, qui est toujours à ses trousses. Ouais, et Sparta qui est à 5 secondes. Oh, on a un drapeau jaune. Ah, on a l'abandon de Puff. Attention, est-ce que Puff ça va provoquer une safety car? C'est ça qui ressortait des stands. Ah ouais, c'est à la sortie des stands, il l'a perdu. Il l'a perdu hein, cette sortie des stands qui est assez traite. Si on accélère trop vite, on a vite fait de partir sur la droite. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Il est là-bas. Et du coup, nouvelle safety car. Je comprends pas si safety car qui sort quand la voiture est en dehors de la piste. Je comprends pas.
ça fausse tout, mais du coup, ouais, c'est la question. Est-ce que Tarzanovic et Zomag et Hassan qui plongent et Flocus, ça va faire leurs affaires. Ouais, bah, Francis qui avait un petit gap, Sparta qui suit. Ouh, il y a Yassim. Il a coupé l'entrée des stands. Il voulait rester dehors, mais ouais, du coup, il y a Yassim qui va perdre du temps parce qu'il est juste derrière son coéquipier et qu'il va aussi changer son aileron. Du coup, je pense que Yassim va tout le monde décide de s'arrêter. Ah non, on a Tic qui continue. On a Tic qui continue. Et je pense qu'il fait bien. Je pense qu'il y en a certains qui auraient mieux fait peut-être de rester en piste et de gratter des places. Parce que les médiums doivent être encore en bon état et ouvert. Je pense que Tic, ça va être compliqué pour les gens de doubler. Ouh, et on a, j'avais pas vu, on a Mickey Mac qui avait pris des dégâts d'aileron avant de rentrer. Et qui, du coup, lui aussi a dû changer d'aileron. Et du coup, Tic qui a pris la tête des courses. On a Sparta qui a mis des médiums. Il s'est trompé. Ou peut-être pas. Peut-être que pour lui, les softs n'allaient pas au bout. Je sais pas combien de temps il dure. Puff et Domos, il me semble que Domos a fait 10 tours et Puff, on a fait 11, hein, il me semble. Ouais, c'est vrai. Alors peut-être une erreur. Ouais. Peut-être une erreur. Gilux et Mickey Mac qui ont peut-être fait la même erreur. C'était voulu, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, qui seront en désavantage par rapport aux pilotes autour de lui. Et ouais, Tic qui tente le coup de poker. Rester en dehors. Ouais, enfin, et du coup, cette safety car qui a profité à ceux qui ne s'étaient pas encore arrêtés, comme Cashday et Zomag, hein, qui se retrouvent 5e et 6e maintenant avec des pneus neufs. Et on voit, hein, 10 positions gagnées pour Cashdanovic, 11 positions gagnées pour Zomag, et les deux sont en soft. Donc pour l'instant, c'est eux qui ont eu meilleure stratégie. Jusqu'ici. Mais malheureusement, les deux ont 3 secondes de pénalité, ce qui pourrait faire pencher la balance en fin de course. Donc faudrait essayer de ne pas en prendre d'autres et puis espérer que les autres en prennent. Mais sinon, ouais. On va voir. Et du coup, hein, on a Tex aussi, hein, qui est parti 16e, qui est 9e, et on a Tic aussi qui a pour l'instant 9 positions de gagné. Il était parti 10e, il est premier. Par contre, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui cette fin de course. Donc à voir, il a décidé de pas s'arrêter. Il y aura des batailles qu'il faudra abandonner vite pour pas perdre de temps, et puis il y en a d'autres qu'il faudra essayer de se défendre avec sa vie. Voilà, de défendre avec sa vie pour faire perdre du temps à ceux derrière et pour essayer de gratter un max de position. Donc on le voit, on a Domos et Sparta qui sont en médium, qui vont avoir plus de mal à le doubler que Franci. Donc derrière, Cashday et Domag qui risquent d'être ralenti aussi. Donc à voir, ça va faire une fin de course assez intéressante. Et puis des scénarios. On a Flyco qui a cassé son aileron sous SC. C'est terrible, hein, pour Flyco qui passe une mauvaise course. Tiens, ouais, qui doit re-rentrer au stand, le pilote Williams. C'est une très mauvaise course pour l'instant pour le pilote Williams. Ouais, et du coup, il va pouvoir repasser au stand pendant la safety car, c'est nickel. Ouais, pas perdre plus de temps que ça. Donc il a encore une dizaine de tours pour espérer remonter. Et puis voilà. Ouais, et ça va permettre au pilote de respirer, hein, pour cette fin de course. Et de tout donner. De reprendre leur esprit. Puis d'être bien concentré pour quand ça va repartir. Ça va nous donner, je pense, un bon petit sprint là de 10 tours, une dizaine de tours. Les pilotes vont essayer de. Et dans tout ça, hein, le grand perdant de l'histoire, c'est Yassim, hein, qui se retrouve à la 12e position, lui qui avait des dégâts à l'aileron et qui a dû changer d'aileron pendant le passage au stand. Et en plus, il était derrière son coéquipier, donc il a passé énormément de temps au stand et il se retrouve très très loin. Il était juste derrière Zomag et il se retrouve avec 5 ou 6 voitures d'écart entre deux. Ouais. C'était aussi le cas de Mickey Mac, hein. Lui qui était bien placé, mais il a cassé son aileron. J'ai pas fait attention où est-ce qu'il l'a cassé, mais du coup il a dû s'arrêter. Bon, lui, son coéquipier ne s'était pas arrêté, donc il a perdu moins de temps qu'à Yassim. Mais il a quand même dû changer d'aileron en plus des pneus. Et du coup, il est ressorti du coup 10e. Ouais, voilà. Une safety car qui n'annonce pas qu'il rentre pas ce tour-là. Ah non, vu que donc
Donc ça va permettre à Tic de gratter un tour sous safety car et de pas trop abîmer ses gommes. C'est tout bénef pour l'instant pour lui. On voit un Flyco qui arrive là. Bah, Tic qui gère plutôt bien ses gommes. Hein. Il a 20% sur les pneus avant, une quinzaine sur les pneus arrière. Donc le pilote Alpine qui gère plutôt bien ses gommes. Il lui reste à peu près le même nombre de tours que ce qu'il a déjà effectué. Il sera à peine à une quarantaine de pourcents. Je pense vraiment que c'est pas le seul qui aurait dû ne pas s'arrêter. Là, vu que tout le monde s'est arrêté, ça va être dur de doubler ceux qui ont les mêmes gommes que. Surtout si chaque pilote est dans le DRS de la voiture qui le précède, ça va être encore plus compliqué. Je pense qu'il a un coup à jouer, le pilote Alpine. Allez, ça y est, cette fois-ci, par contre, tous les pilotes sont réunis. La safety car qui rentrera à la fin de ce tour. Et on sera au tour 18, donc il restera 8 tours. Ouais. Ouais, 8 ou 9. Il me semble. 8 ou 9, ouais. Une dizaine. Une dizaine de tours. Et attention à ne pas s'entrechoquer sous safety. On voit Francien très près de Tic. Peut-être lui laisser un peu plus d'espace. Ouais. Une collision arrive très très vite. En plus des dégâts de l'aileron, hein, comme tu l'avais dit tout à l'heure, avec les dégâts de simulation, ça ne pardonne pas. Il faut bien être prudent. Cette belle safety car. Exactement, qui est à domicile, hein, Aston Martin. C'est anglais, on est en Angleterre, bon, bah, tout va bien. Par contre, c'est une Alpine qui est devant. Exactement. C'est une française. D'ailleurs, un Alpine qui a dévoilé ses livrées aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Qu'est-ce que t'en penses, toi? La toute blanche, franchement, pas ouf. Hein, toute rose. Je le dis. Toute rose, oui, pardon. Toute rose. Elle est pas ouf. Et franchement, elle est sympa. L'autre, elle a l'air sympa. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup l'autre. Une petite touche de rose pour le BWT. Franchement, ça va, c'est sympa. Du coup, peut-être se reconcentrer sur le. Ouais, la safety car qui a annoncé qu'à rentrer sur ce tour-ci. Et Tic hein, qui impose son rythme. On voit un Francien qui est très très près de lui. Francien, à mon avis, qui va s'empresser d'attaquer. Surtout avec la différence de gomme, là, ça. À voir si Tic arrive à l'endormir peut-être à la relance, à mieux relancer. Mais on voit, hein, Francien, il est prêt. Hein. Il est prêt à attaquer. Et ça y est, c'est reparti. Ouais, il a bien suivi, hein. Il essaie de se montrer dans les rétros, mais ça va être trop court pour passer au premier virage. Allez, hein, ça se suit très près, hein. Il va plonger à l'intérieur ici. À l'intérieur, ça y est, c'est fait. Ouais, ça y est, c'est passé pour Francis, on a Domos, hein, qui va essayer de passer aussi. Là. Ouais, on a de la bataille, on a même eu un choc entre Zomag et Guilux. Je pense que Zomag a sûrement eu des dégâts. 6% de dégâts. Et attention, là on a un 3 de front là qui s'annonce entre Tex et Full Golden et Zomag, mais c'est sinon Zomag est resté devant. C'est une bataille entre Tex et Full Golden se du coup. Lance à l'extérieur, mais un peu compliqué. Ouais, non, et du coup c'est pas passé. Allez, Tic hein, qui va perdre encore une position sur Domos, et on a Spartan qui va aussi s'infiltrer à l'extérieur là juste avant Cops. Ouh, Full Golden dans Cops, magnifique. Qui se débarrasse de Full Golden. Beaucoup de batailles là sur cette relance, voilà, et Mickey Mac, hein. Ah, attention, Mickey Mac qui a dû passer sur le vibreur, Hassan qui a dû ralentir suite à un dépassement de Yassim sur Mickey Mac, et sûrement des dégâts de fond plein, hein, pour j'ai rien affiché pour Mickey Mac, hein, vu comment il est passé sur le boudin rouge. Et là on a Tex, hein, qui va se présenter à l'extérieur de Zomag. Ça va être compliqué, hein, et ça va pas passer. Très belle défense, et Tex, hein, qui va réattaquer. Ça se laisse la place, il tente l'extérieur. Ouais, ouais, ça va mieux réaccélérer. Et attention à Yassim, son partenaire qui va en profiter aussi. Et attention à Zomag qui a perdu beaucoup d'accélération. Ouais, du et coup, Mickey Mac aussi. Et Mickey Mac qui va passer aussi. Ouais, on a vu un devant Tic, hein, qui va se faire dépasser encore une fois par Guilux cette fois-ci. Attention à Tic, hein, de pas tout perdre non plein, plus. Plein de batailles.
Faut ramener la voiture au bout maintenant. Il fait bien de pas trop défendre. Parce que là, on a vraiment des différences de gomme. Oui, ça va être très très compliqué pour lui de résister. Un Etex hein, qui va passer cette fois-ci sur full golden. Et du coup là, ça va passer peut-être aussi sur Tick. Attention à Cops, là, on a full golden qui passe aussi sur Tick. Ça va être compliqué à gérer cette histoire. Et il y a Yassim hein, qui va profiter. Qui a profité de cette bataille pour passer. Ouais, full golden qui cède, il sait que c'est pas une bonne idée de dépasser ici. Du coup, ouais, là, P6. On a de belles batailles, hein. Ça se laisse de la place. La Zomag, hein, malheureusement, qui a pris un peu de dégâts d'aileron tout à l'heure, hein, du coup, qui. Je vois qu'il y a Hassan hein, qui revient fort sur lui. Allez, on va aller sur Hassan, du coup. On va voir ce que ça donne. Voilà, Hassan hein, qui a freiné un peu tard, hein, qui a dû plonger tardivement pour éviter. Il est passé aussi sur le boudin, peut-être des dégâts. Au fond plat aussi. Allez, on va se remettre sur Yayasim hein, qui cette fois-ci va passer à l'attaque sur full golden. Peut-être ça va tenter là. Oh, un bon endroit pour dépasser. Hein. Full golden, il s'y attendait pas. Ouais, il s'est passé à l'intérieur tranquillement. Bien joué. Les deux pilotes qui ont mis du leur pour, Gilux qui prend 3 pour que ça de passe tranquillement. Ça pas allez, un petit quin qui est. Là, qui du coup a perdu beaucoup de place. Qui dépasse Mika qui se laisse pas faire, Mika à l'extérieur, ça passe. Alors, on suit la bataille, peut-être que Mika, ouais non, et Flyco qui va sortir en tête de ce virage. Alors on passe sur Tex, Gilux et Kajda, là ça se bat pour la quatrième position hein, devant. On va faire le point, alors, on va aller voir le dépassement là. Ouais, Zomag qui passe sur Mickey Mac, Zomag qui se bataille, hein, qui se bat, hein, malgré sa petite casse. Ça se va faire, ouais. Ouais, et du coup, devant, hein, Franci qui a déjà pris 5 secondes d'avance sur Sparta. Sparta qui lui a mis 1 seconde et demie d'avance sur Domos. Donc pour l'instant, la bataille elle va être pour le podium. Ouais, parce que pour l'instant, Kajdanovic et Gilux qui sont en mauvaise posture, hein, les deux ils ont une pénalité. Allez, on va aller sur Tex, qui va peut-être attaquer. Oh là là, et Mickey Mac. Un drapeau jaune, c'est Mickey Mac. Ouais, Mickey Mac, il a perdu au dernier virage. On était sur sa vue il y a deux secondes, mais. On est allé voir devant, et du coup, on l'a pas vu. Allez, devant, il y a le DRS qui est réactivé. Oh, attention, Tex qui a un peu glissé là. Ouais, on a un drapeau jaune, on a Hassan. On a Hassan qui l'a perdu. Ouais, attention, là, le contact. Aïe, 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 il y a Simka. Ouais, attention, ouais, full terrible. Golden. Full golden qui a pas pu l'éviter. Et du coup, Yayasim qui a cassé. Alors, du coup, c'est ce petit virtuel. On a Yayasim le DNF. Full golden qui prend 5 secondes et des dégâts à l'aileron. Ah là là, c'est terrible. Et on ouais. On a vu à l'image. Hein. C'est une voiture de sécurité complète. Ah, et du coup, ouais, elle se transforme en voiture de sécurité complète. Et, bah ça va faire les affaires de Full Golden hein, qui avait cassé son aileron, mais pas sûr que ça fasse tant que ses affaires que ça. Parce que il va pouvoir se débarrasser de ses 5 secondes aussi. Donc ouais, mais je suis pas sûr que les autres pilotes décident de s'arrêter. Ouais, bah ouais, c'est ça. Je pense que là, donc on va voir Franci qui s'arrête pas. Non, parce que là, ce petit car qui va sortir pour au moins 2 tours, donc le 22, le 23 repartira au tour 24. Il restera 3 tours au pilote. Personne ne s'arrête. Ah si, on a Tick, Golden, c'est logique, oui, pardon. Le Full Golden qui s'arrête au stand, bah, c'est le seul hein, qui est obligé avec son dégât d'aileron. Un terrible. Coup, on avait... quoi c'était un contact entre Tex et. Non, en fait, on a. Il y a Sims qui a voulu. Qui a plongé à l'intérieur de Tex, mais il était un. Il était il y avait que l'aileron qui était au niveau des roues. Mmh. Et du coup il a touché les roues de Tex avec son aileron et sa voiture elle est partie en spin. D'accord. Et du coup Full Golden qui arrivait derrière n'a pas pu l'éviter et en plus de ça justement il prend ses 5 secondes de pénalité. Salut Patrice, comment tu vas?
Parce qu'il dit bonsoir à la team, il dit go Cash. Ouais, Cash hein, qui est bien positionné, en quatrième ouais, position. Il se défend bien. Hein. Il se défend bien. Voilà, il fait on une va bonne refaire course. Un point sur les changements de position. On le voit, hein, c'est lui qui a la meilleure progression. 11 places de gagné. C'est ça. Malheureusement, la pénalité, bah, ça va pas trop l'aider. Surtout que là, avec la safety car, bah, tout le monde va être dans le DRS de tout le monde. Donc ça va être à lui d'essayer de mettre 3 secondes aux voitures derrière. Mais ouais, sinon, il fait une très bonne course. Qui est parti dans les derniers. Et on aura une safety car par abandon. Oui. 3 safety cars. À la limite, celle-là, je la comprends. Et ouais, c'est un petit peu le jeu. Il est un petit peu mal codé quand même sur certains points. Puisque là, l'accident, il est en plein milieu de la piste. Et le jeu annonce une VSC au départ. Qui après se transforme en essai. Tout à l'heure, l'accident, il est en plein extérieur de la piste. Il n'y avait plus personne à côté et tout, et c'est... Ouais, ça c'est essayé, hein. Pas de problème là-dessus. Mais bon. Ça n'empêche qu'on a eu quand même de belles batailles en piste, et on va avoir 3 derniers tours de folie, hein, parce que la safety car devrait rentrer tour 24. Bah, elle devrait rentrer tour 23 et ça devrait relancer tour 24. Donc on aurait le 24e, 25e et 26e tour. Ouais, donc c'est une course de 3 tours finalement. C'est même plus un sprint d'une dizaine de tours. C'est un sprint de 3. Non, le dernier tour sous DRS. Ça va se la donner fort entre les pilotes. Ils vont tout faire pour essayer d'aller chercher des positions. J'espère un bon petit spectacle. Oui, il y a Yacine qui avait un sacré coup à jouer, lui qui était bien positionné au départ et qui malheureusement a eu pas mal d'incidents en course qui ont dû influer sur sa fin. Yacine, moi, ça va pas l'aider. Hein, tout comme Puff, hein. Puff qui est 3e au classement, Yacine 6e, ça va pas les aider pour leur quête. Par contre, ça va être pour un bon monter en Liga. Pour l'instant, c'est un bon coup de Domos. Domos qui, il me semble, était 4e. Ouais, Domos. Il est 5e au classement, ouais, c'est ça. Il a 5 points de retard sur Puff Puff qui était P3. Donc là, du coup, il va largement les récupérer. Et on a Guilux voilà. Qui est 2e au classement général, qui est 5e pour l'instant. Sparta qui est 1er, qui est 2e. Ouais. Donc on a quand même les 3 premiers du classement qui sont bien positionnés et qui vont qui pour l'instant. Pardon, marquerait beaucoup de points pour accéder à la Ligue 1. On le rappelle, après cette course, il restera 2 courses. Sparta a déjà quasiment 50 points d'avance. Il va prendre encore beaucoup de points d'avance là sur le deuxième. Ouais. S'il finit surtout bien, que Guilux a une pénalité. Hein, donc s'il y a des pilotes qui finissent dans ces 3 secondes, bah, malheureusement, il va encore perdre des positions. Et en fait, donc, je suis en train de me demander si à la fin de cette course, Sparta ne va pas être champion mathématiquement. Vu qu'il a déjà quasiment peut-être. 60 points d'avance, s'il a plus de 70 points d'avance, il est déjà champion virtuellement. Là, il a 40, il a 48 points d'avance. Ah, 48, Guilux. D'accord. Okay, non, il lui faudrait. Peut-être pas, mais peut-être déjà l'accès à la Liga. Et ça, il y a un Francis qui a relancé. On l'a pas annoncé, mais vous avez dû le voir à l'écran, la voiture de sécurité qui est rentrée. Et Francis qui a relancé assez Sparta tôt. Sparta qui s'est fait endormir. Ouais, Sparta qui s'est fait endormir et déjà 1,3 seconde de retard. Par contre, Domos qui a bien suivi Sparta. Il y a pas mal d'écarts hein, qui se sont créés. Par contre, on a Zomag hein, qui a bien relancé derrière Tic. Oh, Tic qui la perd. Non. Tic qui la perd. Et abandon. Abandon au premier virage. Il l'a perdu, on l'a vu hein, à l'image. Zomag était très très près de lui et avec les pneus usés de Tic hein, qui s'était pas arrêté. Qui était déjà à 14 tours sur ses médiums. Il l'a perdu. Du coup, on suit Flaïko. Hein. Flaïko, on disait qu'il vivait une mauvaise course tout à l'heure, qu'il était encore dernier à l'autre safety car. Et puis maintenant, il est 8e. Ouais, il est revenu à sa place de départ. Hein. Il était parti 8e. Et pour l'instant, il serait 6e dans ce pénalité. Parce que Kajdanovic et Zoma, qui sont devant lui, ont tous les deux 6 secondes. Voilà, devant Francien hein, qui continue. Hein. Qui continue sur le même rythme, hein, tout comme Sparta, hein, ils arrivent tous les deux à créer déjà un bon écart. On a Domos aussi hein, qui a créé un bon écart avec Guilux.
Donc pour l'instant le podium qui est en train de se dessiner et on a Tex par contre qui lui n'a pas de pénalité et va attaquer Guilux sûrement avant la fin de cette ligne droite, ouais, ça va plonger ça. À l'intérieur parce que, et parce ça que va passer Guilux, hein, pour Tex. Il a atteint la limite de déploiement de RS. Vous pouvez voir en bas à gauche là c'est rouge. Il avait utilisé trop de RS sur ce tour, alors que c'était pas le cas de Tex, qui du coup et avait quoi, hein. Plus de puissance et c'est passé facilement. Flyco qui pendant ce temps-là est passé sur, sur Zomag. Ouais. Flyco hein, qui continue sa remontée. Qui veut peut-être aller chercher Guilux. Guilux qui a 3 secondes possible. Seulement. Ouais, Guilux qui a 3 secondes, Flyco aussi. Peut-être. Il reste 2 tours. Donc on va voir si c'est possible. Devant Francy, toujours une seconde et demie d'avance. Sparta aussi en avance sur Domot. Les 4 premiers hein, là qui sont bien positionnés. On a peut-être Guilux qui va essayer de suivre Tex. Hein, parce qu'avec sa pénalité, ça servirait plus à grand chose de doubler. Ah, on a Mickey Mac là qui est passé sur Brady. Mais il a touché Brady. Aucun dégât à signaler. Alors on a Asana qui a profité du coup hein, de ce ralentissement pour revenir fort sur Mickey Mac. Va peut-être tenter quelque chose. Ouais, il va essayer là dans Cops, mais ça va pas passer. Oh là, il Full Golden qui va y aller. Attention, ça s'est touché. Ouais, Full Golden qui prend 6% de dégâts. Et qui, ouais, du coup, ressort un peu moins bien de cette série de virages. Je sais même pas le nom, je sais même pas comment ça s'appelle. Maggots, Chapelle et. J'ai oublié le premier. Maggots et Chapelle, je sais plus. Voilà, bah, qui ressort mal de Chapelle. Ouais, le dernier, je crois que c'est Chapelle, si c'est pas de conneries. Et ça y est, on arrive dans le dernier tour et le DRS est réactivé pour ce dernier tour. Est-ce que Tex va pouvoir aller chercher Domos ? Il vient de rentrer dans la seconde. Allez, on va suivre cette bataille. C'est vrai que Tex vient de rentrer dans la zone de DRS au moment où elle s'active. Donc, Tex qui pour l'instant. Il a fait un bien meilleur premier secteur que Domos. Il est déjà à 5 dixièmes. Ouais, et Domos, hein, c'est vrai que j'avais pas les gommes affichées, mais qui est en médium de 13 tours. Et là, il a très très bien recollé. Alors, on va voir si Flyco, non, Flyco, ça va pas tenter. Peut-être ouah, Hassan sur Mickey. Ah, Hassan qui va tenter à l'intérieur sur Mickey Mac. Ouais, ça se laisse l'espace. Allez, à deux de front, et ça va mieux ressortir pour Hassan. Aïe, aïe, aïe! Terrible, Hassan qui l'a perdu et qui a barré la route à Mickey Mac et... Grave accident. Ils ne finiront pas la course sur ce dernier tour. Allez, on va se remettre sur Tex du coup. Wow, impressionnantes images de l'accident. On a tout vu. Et là, Tex qui va avoir le DRS. Et ça va y aller. Ah ouais, là, ça va clairement y aller, comme tu le disais. Malheureusement, Domos, il va pas. Oh, Domos qui se laisse pas faire. Hein. Il va essayer d'y aller jusqu'au bout. Avec Ashdin qui a essayé de tenter un. Mais il a pas tenté. Par contre, Flyco. Flyco qui va tenter un. Peut-être dans le dernier secteur. Oh, aïe, attention, aïe, aïe. Il a failli la perdre. Ah ouais. Du coup, ouais, non, et du coup, ça passe pas. Mais du coup, Flyco. Et du coup, on a essayé de suivre les batailles, mais sinon, à part ça, Francis s'est imposé. Et très très belle victoire, hein, Francis. Ouais, il y avait tellement de batailles qu'on a essayé de suivre les batailles, mais pendant ce temps-là, Francis a passé la ligne d'arrivée première. Hein. Exactement. Et qui a clairement imposé tout. Qui a imposé son rythme pendant toute la course. Donc, très très belle course à lui. On a Sparta aussi hein, qui est parti deuxième et qui a réussi à conserver sa deuxième position. Très très belle course et de ses deux pilotes. Il a confirmé son statut de champion, je pense. Il suffit qu'il finisse les deux dernières courses et je pense que. Ouais, avec ses points, clairement, là, Sparta. Pour le pilote Williams. Il vient de confirmer son accès en Liga. Je pense que mathématiquement, il pourra plus finir. Oui, là, je pense que la descente, troisième c'est position. Bon, c'est réglé. Enfin, la montée. La montée, ouais. Et la du coup, montée, ouais. Tex, hein, qui est parti 16e, hein, très très grosse performance aussi de Tex, hein, qui, ouais. En partant 16e, a réussi à finir 3e. On a Domos, hein, qui finit 4e, qui est bien placé au classement général. C'est de très très gros points aussi pour aller se batailler pour la montée en Liga. On a Mika, très belle 5e position, Full Golden 6e, Guilux 2e du classement général qui finit 7e, donc c'est aussi des bons points pour lui. On a Flyco 8e, Kajda 9e, Zomag 10e,
Brady Water 11e qui malheureusement aura eu un accrochage à la fin qui leur a fait perdre un petit peu de temps. Flocus 12e qui réussit quand même à marquer des points importants, lui qui est dans les derniers au classement, il me semble, hein, ce qu'on disait au début. Par contre, on a Hassan et Mickey Mac hein, qui abandonnent dans le dernier tour, c'est assez terrible pour eux. Et puis voilà, on a les autres aussi qui ont abandonné derrière. Donc très très belle course. Et puis ça y est, on a le podium hein, qui rejoint la vocale. On a Tex avec nous en vocale pour cette très belle troisième position. Salut Tex. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, c'est vrai Ouais, que on a t'as vu. souvent pas mal de soucis au premier tour et encore une fois, et ça a failli être encore un cauchemar pour toi, mais ça se finit bien. Ouais, on a suivi un petit peu ta fin de course. On a vu que sur les derniers tours, après la relance, comme tu le dis, t'as attaqué et ça a plutôt bien marché. Et dans ce dernier tour, ouais, c'était assez intense où tu arrives dans le DRS juste au début du tour quand il s'active, tu le rattrapes bien et puis dans la zone d'après, bah, c'est passé. C'était très beau à voir. C'est des bons points pour toi aussi, hein. Ouais, ouais c'est comment on dit, le secret professionnel. NWQS qui nous demande c'est qui le gagnant, c'est Francie. On a Sparta deuxième et Tex qu'on a en vocal qui est troisième. Ouais, Francie, comme tu le dis, incroyable, qui a fait la pole et puis qui a bien géré sa course. Bah, en tout cas, GG à toi, Tex. On se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Ouais, ça va, c'était pas Franchement, mal. ouais, c'était bien intéressant. Il y a eu plein de batailles là suite aux relances de. Je crois que c'était à la relance de la deuxième, il me semble. Il y a eu plein de batailles, plein de dépassements. Et puis là aussi, avec la troisième, du coup, les trois derniers tours, c'était bien chaud. Donc, ouais, franchement, sympa. Merci à toi aussi et Pas de encore soucis. GG. Ciao, ciao. Salut. Allez, on va accueillir cette fois-ci un Sparta qui lui a fini deuxième, le leader du championnat. Voyons voir Sparta qui a marqué vraiment beaucoup de points aujourd'hui. Hein. Hello Sparta, comment tu vas? Yo les boys. Yo. Bonsoir. Bah, déjà un GG à toi, hein. Bravo hein, pour cette deuxième position. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va te laisser nous dire ton ressenti, si pour toi c'est une bonne position ou si t'espérais peut-être Non. mieux. Non, faut pas cracher dans la soupe, mais en vrai, j'ai eu un bug, il me fout les médiums alors que je demande les softs. En vrai, Ah, et du coup, c'était bien une erreur du coup. Lousinho a eu la bonne Comment? réflexion pendant la course parce qu'il l'a dit. Il a dit, ouais, c'est bizarre que Sparta mette les médiums. Ah non, mais non, c'est les softs. Moi, je demande les S, usagers, il devait avoir. J'avais laissé des S à 3%. Ouais, c'est les SD qualifs qui avaient à peine un tour lancé. Hein. Exactement. Donc, parce qu'en fait, je fais un tour de qualif, puis je cut mon tour lancé, donc du coup, je les économise, je les emmène à 3%, tu vois. Et je rentre au stand, je demande les S. Après, il me dit, est-ce que tu veux appliquer la strat? Et au moment où je vais pour lui répondre, je rentre dans les stands et ça me bug sur le panneau, tu sais, Ah t'entends oui, les ça feux, m'est faut que tu déjà tapes arrivé. devant et tout, tu vois. Ouais, du coup, tu Ce peux qui, plus changer. du coup, moi, je me suis dit, c'est bon, j'avais les S et tout. Et au final, il me remet des médiums neufs. Je dis, ah, ça me fausse le truc, en fait. Je sais que je peux plus aller chercher Francie, quoi qu'il arrive. Et puis, quand Ouais, je vais gagner mon forcément, hein, Casta finir et la tout. fin de course en S ou en médium, c'est plus du tout pareil. Ça a été Voilà, un handicap. Hein. en S, clairement, je pense que je peux être à 3-4 dixièmes au dernier DRS et après on se la donne, tu vois. Mais Ouais. là, tu y es, j'ai envie de te dire, rien n'est sûr. Hein. C'est un crack, Francis, il n'y a rien à dire.
Ouais, on a Francis qui avait fait déjà là, qui a eu la pole position et puis qui a aussi bien géré sa Ouais, course. 30 millièmes. Après, ouais, c'est vrai que c'était pour 30 millièmes, mais même après chaque relance, il arrivait à doubler assez rapidement. Ouais, non, mais c'est un crack, y a rien à dire. C'est gros, gros pilote. Il est venu, Mais il les a posés comme c'est les poivres. en tout cas, on en a parlé pendant le stream, et toi qui est premier du classement, qui avait 48 points d'avance, là, avec cette deuxième position, tu vas prendre Bah, j'ai énormément de points calculé, d'avance. tu te doutes bien que j'ai calculé. Ah, voilà. Parce que moi, Ah j'avais pas oui. calculé, mais il me semble que la Non. montée en Liga, il me semble Mais qu'elle est c'est rien actée, au là. hasard, là. Non, en gros, la Guilloux, il passe à. Il avait 48 de retard, il passe à 60 de retard, parce que je lui reprends 12 points, 29 à 17. Et si en Russie, je fais au moins P8, t'es champion. Faut au moins faire P8 en Russie. Ok, donc ça y est, on sait à quoi s'attendre la semaine prochaine en Russie. Il faudra au moins une Voilà. P8 pour que tu sois champion. Voilà. Par contre, je Gros pense que la sprinter. Liga, on n'a pas qu'à calculer, mais je pense que tu finiras quoi qu'il arrive dans les 3 premiers. Bah écoutez, si la Liga change de jour avec plaisir, si Ah oui, Hugo c'est réserve. vrai que toi, Ouais. tu peux pas rouler le mardi. S'ils me disent Liga mercredi, go go go. S'ils me disent Liga mardi, go football quoi. Ouais, c'est assez compliqué malheureusement. Mais juste, je veux juste un petit GG à Mika avant de m'en aller. Franchement, je parlais avec lui cet après-midi et il fait une grosse grosse P5. Gros GG à lui. Vraiment. Je suis très Exactement, content. c'est Je suis vrai. vraiment très Ouais, content il a pour fini lui. P5, il n'a pas pris de pénalité, contrairement aux pilotes Voilà. autour de lui, Guilloux, Flaco, Exactement. Kajdanovic, tout ça. Ils ont tous Voilà, pris des voilà. pénals et du coup, bah lui, il n'a pas pris de pénal et il finit P5. Donc ouais, franchement, très très bon résultat. Et même Tex, hein, Tex, il fait Ouais, P20, grosse P20 ou remontée. P3. Franchement, gros GG aux deux. Et puis Flico, le teammate d'un soir pour se mouvementer. Mais voilà. Et puis merci à vous pour le casse, les boys. Ouais, pas de souci, hein. En tout cas, merci à toi et en gros, encore GG pour cette course. Et puis, du coup, rendez-vous à la semaine prochaine pour peut-être célébrer ton titre de champion. Ah, avec plaisir, les mecs. C'est tout ce que je souhaite. La bise. Allez, la bise, bonne soirée à toi. Et donc voilà, on a eu les impressions de Sparta qui a fini deuxième cette course, le leader du championnat. On va recevoir maintenant Francis qui lui a gagné cette course. On va rappeler un Francis qui est réserviste et qui en tant que réserviste a déjà fait beaucoup beaucoup de courses et il est aussi à 136 points donc il serait deuxième du classement actuellement donc faut le souligner. Salut Francis. Bah Salut. re du coup. Et puis Bah, bravo, hein. merci. Que dire de plus? Très très belle course de ta part et il me semble que tu l'as bien géré, que t'as pas trop eu de soucis. On va te laisser t'exprimer, nous expliquer tout ça. Bah, c'est mieux que ce que je croyais, ce que j'allais espérer. Ouais, c'est vrai que Non? tu nous avais parlé d'un setup assez glissant. Je m'attendais à pire. Puis du coup, c'est bien passé. Bah, grosse performance, t'as pas trop de choses à dire peut-être sur cette victoire. T'as réussi à Bah. créer des écarts assez rapidement, pas trop de batailles, pas trop de. Bah, part aux relances de safety car, non, pas trop. Ouais, c'est vrai qu'après les relances de safety car, on a vu que tu doublais assez rapidement. T'étais pressé peut-être de mettre un écart entre Sparta et Yayassim et toi? Ouais, j'ai essayé de sortir de la seconde après. Comme ça, ils n'avaient pas le DRS et je pouvais avoir mon rythme sans qu'ils en gagnent quelque chose derrière. Bon, en tout cas, t'as encore une fois bien géré ta course après une très belle pole position. Et t'as marqué beaucoup de points cette saison, donc t'es vraiment très. Bah, tu serais très bien positionné aussi dans le championnat. Hein. Faut le souligner, hein, à chaque fois que t'étais présent, t'as fait de gros résultats, donc un gros GG à toi. Merci. Puis du coup, on se donne rendez-vous peut-être à la semaine prochaine en Russie. Ouais, peut-être. Pas sûr Ok. encore. Ok. Bon, bah encore GG, et puis bonne soirée à toi, Francis. Merci à vous aussi. Allez, ciao, ciao. Merci. Salut. Ah. Bon, du coup, la soirée qui se termine sur l'interview des 3 premiers. Je sais pas ce que tu penses, ce que t'en penses, Louisie. Moi, j'ai bien aimé la soirée. Ouais, franchement, nickel. On s'est pas ennuyé, il y a eu des batailles du début à la fin.
ça s'est bien bataillé, c'était des batailles propres. Il y a eu quelques spins, quelques casses, mais bon, ça arrive, hein, ça fait partie de la course. Mais franchement, ouais, encore un GP intéressant et plaisir à le caster. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal, toutes ces batailles après les relances. Et malheureusement, on a vu quelques petits accrochages, mais en tout cas, il y a quelques pilotes qui se sont démarqués et ont marqué des points très très importants. Donc voilà, la semaine prochaine, ça sera la Russie, hein, comme vous l'avez entendu. Donc la semaine prochaine, peut-être le titre de Sparta. Donc n'hésitez pas à être présent la semaine prochaine. En attendant, demain, vous avez la Liga. Donc toujours au Royaume-Uni, qui sera commenté par Brady Motor et le pack. Donc n'hésitez pas à répondre présent demain à 21h. Et nous, on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour le GP de Russie, donc pour la Ligue B, lundi soir prochain. Bonne soirée à tout C'est le ça. monde. Ciao, ciao, Lousy. Salut.